gars, vous êtes totalement malade. La concession là. Yo les gars, salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis en grosse compagnie. Philippe Rantenot, vous le connaissez. Arthur. Alexis. Vous voyez, on a plein d'engins. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu folle. Je viens d'essayer le trial, donc il est bien chaud. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sa vidéo tout de suite après, vous verrez. Mais tu t'es régalé en trial. C'était pas mal. Bonne initiation. Ouais. Donc peut-être qu'on va l'engager. J'ai ramené les pogos, ça les gars, je crois que vous connaissez pas. Aussi dit bâton sauteur. D'ailleurs, ça... Il n'y a pas de roue. Il n'y a pas de roue. Intéressant, bah ouais. Mais il y a un guidon, les gars. Ah voilà. C'est déjà pas mal. Mais il n'y a pas de frein. Et je vous ai ramené aussi le mini BMX. Voilà, encore un engin casse-gueule. Et le dernier, ben, on peut reprendre peut-être le trial s'il faut se départager, puisqu'aujourd'hui, ça va être une espèce de petit battle. On va faire un parcours et on va essayer de le faire avec tout ce que je viens de vous dire. Premier défi, c'est parti. On peut commencer avec les pogos, les gars. Ça, ça sera le mieux. J'ai peur. Pogos d'enfants. Celui-là, on connaît, dans les supermarchés, on peut en trouver. Ça paraît simple, mais alors celui-là. Moi, je prends celui-ci alors parce que. Voilà. Commence par celui-là. Il est à ta taille en plus, je crois. Merci. Allez, vas-y, on commence par l'initiation déjà. Allez. Je vais essayer, les gars. Allez, tu finis. Par contre, ça pose des petites figures. Des figures avec ça? Ouais, vas-y, c'est pas ça. C'est l'initiation la plus rapide du monde. Oh, ah yes. Ok, bon, nouveau concurrent. Futur. Il va attaquer avec le gros. Lui il veut attaquer avec le gros. Attends, le gros. Oh, le tricheur. On a déjà fait. Bah, yeah. Mais c'est sûr, on a déjà fait. Oh là là. On a déjà fait. J'avais 12 ans. Il y a 3 mois. Bah, c'était il y a un an, quoi. C'est ça. C'est un gamin. Lui, il est plein de sorties, ça chauffe, quoi. Ah, oh là là, oh. Il tire dans le parcours là. Incroyable. Bon, en attendant, je vais préparer la petite zone, les gars. Et vous continuez à vous entraîner, ok? Ouais, et après, c'est un petit championnat inter-régional, inter-municipal. Voilà. Non, le premier qui le met, gagne. Ouais, au pire. Allez, c'est chacun. Ok. Allez. Comme quand ils m'ont un penalty au foot, tu sais, genre... Oh! Eh oui, mon signature! Ah, donc mes impressions pour manger un McDo, genre il va être bien bon, bien gras, genre gros. C'est toi qui paye. Très gros! Mousse, ils sont chauds! Quel ouvreur, ouais. Ah ouais, en fait, je suis genre de mec, vas-y, tiens, viens de rechipper la boîte, vas-y, prends. C'est bon, t'as un McDo gratos, tu peux t'envoyer à la mort, hein. Ouais, pour un McDo. Non, non, non. 3, 2, 1, let's go! Ça a glissé, fais gaffe. 58, 99, pas mal. Tu vas te passer 58 secondes de ma vie de souffrance, j'ai mal au cul. Ça va les fesses. Franchement, mais pas mieux commencer. Oh, c'était royal. Qui veut y aller après ça? T'as l'air chaud, non? Ok, 3, 2, 1, let's go. Ouais, t'es à côté, t'es à côté. Arthur, t'es trop chaud là, la vérité t'es trop chaud. Yes. Oh. Bon, c'est pas mal, hein. 28 secondes là. Ouais. Ouais. Oh, 36. Oh, il prend le lead. 40. Ouais. Allez. 51. Genre, attends, il en est. Voilà, zéro technique, mais j'ai réussi à le. S'il vous plaît. Là, il y a eu la compète. Ouais. Il y a eu la compète. Bon, je laisse gagner. Il y a le racer, il y a le freestyler. Mmh. Du coup, le McDo, ça donne quoi? Bah, ça avance moins bien, le McDo. Je vais chercher des triangles des beaux. Une salade, s'il vous plaît. Du coup, je gagne ton McDo si je te bats. Oh, ah, comment ça se passe, coup de McDo? Mais je suis un bon joueur, vas-y, je suis un bon joueur. Ok, allez, je suis un bon joueur. 3, 2, 1, c'est parti. Ah merde! Ah oui! Ah merde! Oh!
Ouais, c'est ça, je crois que j'ai touché deux fois la poutre tout à l'heure. Voilà. Oh yes. Oh, 42. Ah non mais j'ai fait exprès. Un dixième. Ah. Le but c'est que tu te battes, te battre toi, c'est pas de battre Philippe. Ah ouais, pour le McDo. Ouais. En fait lui il me doit un McDo et moi je dois Jean-Pierre. Ah oui, c'est incroyable. Du coup, tu en vas-y, tu nous bats. Voilà. Oh, voilà. Go, allez. Ouais, c'est tout gagné. 3, 2, 1, go. De la figure, de la figure. De là ça commence à tourner. Oh, attention. J'ai analysé. Allez, c'est bien là. Voilà, c'est bon. Je suis nul aussi. Allez. Ouais, le McDo il s'éloigne. Voilà le podium actuel, Philippe, moi, futur, Youssef, quatrième. Allez, on passe au deuxième défi. Deuxième défi, maintenant ça va être le défi gros départage. Défi mini BMX, l'idée ça va être de faire le parcours, on a changé de spot, beaucoup plus d'obstacles, des gros troncs, un peu d'équilibre, il faut faire des virages et tout. On change la règle, là on fait un vrai parcours trial. C'est-à-dire celui qui met zéro pied au sol, c'est le mieux. Si on tombe, normalement, c'est un échec. Normalement, c'est au bout de 5 points, on est annulé, mais là, on va dire que si c'est que un pied, on peut continuer. Tu vois ? C'est parti. Je pense que personne n'a compris, mais c'est pas grave, on y va. Allez, c'est parti. Non, je repars de la partie, ça continue. Allez. On fera un petit cumul, ça au montage. Je comprends, mais il y a beaucoup de tirs. Allez, c'est parti. Là, c'est où ça plante. Leadership. Du coup, on sait pas comment on compte les scores, mais à 500 aux abonnés. Voilà. On sait pas, laissez-le. Allez, je me démerde. Allez, c'est parti.
manager. Maintenant la question c'est, est-ce qu'il Philippe va faire meilleur que là, sert... là il y a le défi là. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je teste ouais, non mais tu peux abandonner direct. Il faudrait des tomates ou des... Ah ouais. Oh, ah oui oh. Allez allez. Il y avait un meilleur départ. Ouais, c'est vrai, première ligne, ouais, autant. Mais une fin catastrophique. Ouais, du coup, on sait pas trop. Mais bon. Et tu m'as impressionné, première ligne là. Ouais. Je me suis dit, peut-être que plus tu vas vite, plus t'as d'équilibre, je sais pas si ça marche les deux. Ouais. Moi je dis ça se voit. Mais bon, Il y a un big battle. Ouais, non, c'est lui qui paye à ma go, donc c'est ah ouais. J'ai été un peu ridicule sur la fin. Hein. Si tu nous payes un McDo à tous les trois, c'est bon, dit que t'as gagné. Ouais, gars, c'est bon. C'est chaud. Tiens, lui. Dis oui, je suis pas un McDo prêt, vous savez. Bon, allez, c'est bon, mais bon, bien. Mais si, il a compris, maintenant ça se passe. Oh, McDo. Facile. On peut se faire un troisième d'équilibre. Allez. On fait une zone de trial, un truc simple. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire là-bas. Okay. Il va vous mettre 10 palettes de hauteur. Je vous montre la zone et après vous essayez. Vas-y, va. Bon, troisième défi du coup. Une petite zone de trial, donc les gars je vous montre une petite zone très simple. Okay. Et ça sera à vous de la reproduire le plus rapidement possible. Un truc de débutant. Débutant. Ouais, d'accord. Ouais. Ok, débutant. Ok, je vous montre. On va aller là sur la poutre. Là. Là. Poutre, ok. Petit déplacement. Ok, ça c'est facile jusqu'à maintenant, ah, pas de okay. Soucis. Après on peut monter là. Ouais, non mais parcours débutant, c'était... Non c'est sympa hein, quand même, ouais. Mais ouais. Mine de rien, genre... Il est là, quoi. Allez, bah à vous, hein. Allez. Ouais. Ouais. Ça va, il n'y a pas de choix. Ouais. Ouais. Allez. Ouais, ouais, ouais. Oh, oh ah, c'est réactif. Ah oui, c'est réactif. Ah oui. Yes. Facile. Alors voilà. Ici, il reprend la troisième place avec ça. Hein. Ah ouais, non, là, avec ça aussi. Ah, oh, ah ouais, non, avec ça un peu moins. Incroyable. Ça joue ici, moi, j'ai la troisième place. Oh, 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 oh. Du coup, on sait pas. Première fois. Futur Alex, on sait pas. Non, mais c'est sûr, il avait déjà touché au trio. Oui, oui, oui. Parce que tout à l'heure, en fait, quand il est arrivé, je l'ai vu passer, j'ai fait, j'ai touché. Allez, Philippe, oh, allez. Non, non, non. Tiens, c'est à toi, Philippe. Ouais. Allez, ouais. Let's go. Ouais. Oh, easy. Du coup, c'est bien. Ouais, pas bien. Ouais. Yeah. Allez. Ouais. Bon, j'arrive bah toujours voilà. Pas à m'y faire. Bon bah voilà, on se termine. Ah, de petites figures en mi-BMX. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Chacun fait son petit truc. Ça sera à vous de voter à la fin. Vous marquez dans les commentaires qui a été le meilleur dans cette figure en mini-BMX, ok? Comme ça, on aura le vainqueur. Carrément. Puis voilà, je fais un petit pouce bleu et puis tout ça, quoi. Allez, c'est parti. Le best tricks mini-BMX. Dépouillage en mini-BMX. Allez. Franchement, je donne la victoire pour celui qui arrive à sauter l'airbag là-bas avec celui-là. Juste sauter. Arrête, Arthur, ah, arrête. Mais c'est un malade, il est sympa. Arrête. Mais non. Oh. Non. Il va pas le faire. Il va pas le faire. Je sais depuis tout à l'heure, il parle, mais il va pas le faire. Ouais, ouais, non, il a peur. Allez, allez, allez. Que de la gueule. Que de la gueule. Allez. Que de la gueule. Non. Regarde derrière, ils sont tous là. Regarde pour voir la mort de quelqu'un. Ah là, il y a du monde pour avoir. Je suis en pelle, mais bon, Sushi, tu verras ma gueule. Sushi, il va mourir, j'ai peur pour lui. En vrai, j'ai peur pour lui. La compression là. Ah incroyable, exceptionnel. Incroyable.
tapis, vous. Mais est-ce qu'il a gagné? Parce qu'en fait, t'es arrivé sur l'airbag mais sans le vélo. C'est vrai. D'ailleurs, on te laisse un deuxième essai. Ouais, bien sûr. Si voilà. T'arrives à rester sur le vélo jusqu'ici là, on t'attend là. Là, puis on bouge pas. Allez, vous voulez juste me voir arriver en roulant là. Ça va être incroyable. Incroyable! Eh, on avait dit jusqu'en bas de base, tu devais rouler. Roule, vaut peut-être le coup qu'on fasse quand même notre figure pour voir si on vaut quelque chose. Ouais, je pense, ouais. À tout moment, ça se joue ici avec un tailwhip de Philippe. Moi, je dis, il peut remonter puisque. Oui. Vas-y. Yo! Oui! Non! Oh là là! McDo, c'est là-bas, 100 mètres à gauche, s'il te plaît. Bon, tu vas? Allez, salut hein! C'était bien la méga rampe, hein, mais bon. Tiens, allonge-toi, regarde, je te fais ta punition, allonge-toi. T'es prêt? C'était ça ma figure, je saute par-dessus. Ah ça! Bah c'est à ta figure, tiens, ou c'est vrai, il reste encore. Ouais, il reste pas pour faire ta figure. Il reste plus que moi, c'est. Ouais, c'est ça. Oui! Check! Check! Je suis avec moi, j'ai pas vu vos figures là. Et bah, t'iras voir la vidéo et tu lâcheras un petit pouce bleu. Et tu t'abonneras. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. C'était un défi qui est parti totalement en vrac, on avait rien organisé, mais c'était très bien, on s'est bien amusé. Du coup, bah, pensez à vous abonner, ça fera plaisir, et puis allez suivre le chaîne de tout. T'as une chaîne? Non. T'as une chaîne? Ouais, oui, j'ai une chaîne. Voilà, ils vont me la mettre en description. Voilà, et cool. Philippe aussi, il a une chaîne, vous savez. Donc, et ben, à la semaine prochaine. Ciao les gars. Et Philippe, il a essayé de triade dans sa vidéo. C'était du lourd. Faut aller voir. Allez voir. Ouais, allez. Parce que je crois qu'il s'en fait mal au fait. Ah ouais? Ça va en fait? Ça va, c'est un peu mieux. Ok, on ira voir ça.